français, Dieu le Père, le Saint-Esprit se sépare de lui pendant 3 heures de temps. Ce n'est donc pas étonnant qu'à la mort de Jésus, le monde entier ait été plongé dans les ténèbres pendant quelques heures. Le soleil s'est-il caché dans l'obscurité pour faire un œil sur l'heure quand Christ, le plus saint créateur, mourut pour l'homme la conçu de création. Nous dit sa grâce. Dans cette lumière, il n'y a point en éclair, nous dit 1 Jean chapitre 1, le verset 7. La lumière du Dieu saint et les ténèbres du côté de l'homme ne pourront jamais coexister. Comme les ténèbres disparaissent quand vous vous tournez vers la lumière, ainsi ces ténèbres apparaissent quand vous tournez le dos à la lumière. Malheureusement, tous ceux qui auront tourné le dos à la lumière de l'amour rédempteur de Dieu se retrouveront dans l'obscurité spirituelle pour l'éternité. Ils se retrouveront dans les ténèbres où ils étaient moins marqués, mon ami, au si simple seul que dans une cellule de prison où le temps est plus long que le temps lui-même. Parce qu'il est dit, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leur œuvre était mauvaise. Jean chapitre 3, le verset 19. Se détourner de Jésus aura pour conséquence l'obscurité spirituelle et la mort. L'obscurité et la mort.